Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire une petite mère bouteuse. Âge de 6 à 12, 18 mois. À partir de 6 mois, on peut la mettre, ça dépend l'enfant. Donc ça va être avec un petit point fantaisie, avec de la laine qui se tricote 4 et 5. J'ai pris un crochet numéro 4. Parce qu'après, ça serait trop large. Donc, si vous voulez une barboteuse un peu plus petite, vous mettez un plus gros crochet, un plus petit crochet. Si vous voulez un peu plus grand, vous prenez la taille au-dessus. Bon, minou. Vous prenez la taille au-dessus pour faire un peu plus grand. Et voici, si vous voulez, moi, je vais arrêter là. Si vous voulez plus long, vous faites plus long. Moi, j'ai fait un short. Donc ici, c'est ouvert de derrière. Vous pouvez, si vous voulez, mettre avec des boutons de devant ou de derrière. Ça se met soit l'un ou l'autre. Donc, je crois que j'ai tout dit. Il va falloir deux boules, un peu plus. Donc, faut vous prévoir trois boules de 50 grammes. Si on va commencer par une chaînette de 70 mailles. Donc, une, deux. Voici, la chaînette de 70 mailles est terminée. C'est-à-dire qu'on va commencer par ici. Donc celui qui veut plus grand, il met plus grand. Plus petit, il met plus petit. Et là, vous avez vu, il manque une jambe, c'est pour vous montrer par la suite. Donc ici, 70 mailles. Vous faites 2 mailles en l'air. 3 et vous faites une demi-bride dans la quatrième. Je vais vous montrer à jeter. On pique dans la maille, on ramène une boucle à jeter et on tire tout à travers les 3. Et dans ça, vous allez faire ça dans chaque maille jusqu'au bout de la ligne. À tout de suite. La rangée est terminée, la première rangée est terminée. Donc ici, à la fin, on fait 2 mailles en l'air. Pour les demi-brides, on fera toujours 2 mailles en l'air. Sauf pour la rangée du point pouf. Donc on retourne son travail. On fait la demi-bride est faite, c'est les 2 mailles en l'air. Donc on fait une demi-bride à côté, ça fait 2. On va à côté, on en fait une, on fait 3. Et la quatrième, on fait une demi-bride et une demi-bride dans la même maille. Ça fait une augmentation. Alors, 3 demi-brides, 1, 2, dans la maille suivante, 3. Et dans la quatrième, on en fait 2. Dans la même maille. Et on continue ça jusqu'au bout. Voici terminé. Ici, on va faire pour le point pouf 3 mailles en l'air. Donc les demi-brides, ce sera 2 mailles en l'air. Et le point pouf, ce sera 3 mailles en l'air. On retourne son travail, on fait un jeté, on pique dans la même maille. Donc ici, ça fait 1. On pique dans la même maille, on ramène une jetée, on fait un jeté, on repique dans la même maille, on fait un jeté et on tire tout. Et on fait 2 mailles en l'air. On fait un jeté, on passe une maille, on va dans la deuxième, on pique, on ramène, ça fait une fois. Un jeté, on pique, on ramène, ça fait 2. Un jeté, on pique, toujours dans la même maille. On ramène, là on fait un jeté et on ramasse tout.
et on fait 2 mailles en l'air. Vous voyez, on voit les petites boules. Je recommence à jeter, on passe une maille. On va dans la deuxième, on ramène, à jeter, on pique dans la même maille, on ramène, à jeter, on pique dans la même maille, on ramène. En tout, on a 2, 4, 6, 7 mailles sur le crochet. On fait à jeter et on tire tout, à travers tout, et on fait 1, 2 mailles en l'air. On fait à jeter, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on pique une fois, on fait à jeter, 2 fois, à jeter, 3 fois, à jeter, et on tire tout. Et on refait 2 mailles en l'air. Je recommence, à jeter, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on tire, à jeter, tire, à jeter, on pique, on ramène et on tire tout. Et on fait 2 mailles en l'air. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout ici. À tout de suite. Voici le tour terminé, vous voyez. Donc on va passer au suivant. Donc ici on a fait 2 mailles en l'air. On fait une demi-bride dans le trou. On fait une demi-bride sur l'ananas, sur le point pouf, c'est pareil. Une demi-bride dans le trou. Une demi-bride sur l'ananas. Vous voyez la maille qui est au-dessus. Une demi-bride dans le trou. Vous voyez? Une demi-bride au-dessus, la maille au-dessus de l'ananas, une demi-bride dans le trou. Vous voyez, vous faites ça jusqu'au bout. L'ananas, une demi-bride dans le trou. Vous continuez jusqu'au bout. À tout de suite. Voici terminé. Donc, on fait 2 mailles en l'air. On tourne son travail. Déjà ici, des 2 mailles en l'air, il compte comme une demi-bride. Donc on va dans la suivante. On fait une demi-bride. Ça en a fait 2. Dans la suivante, 3 demi-brides. Et dans la quatrième, ici, on fait une demi-bride. Une augmentation, une demi-bride dans la même maille. Donc, une, deux, trois demi-brides et 2 dans la quatrième. Une, deux. Alors, 3 demi-brides dans chaque maille individuelle. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on en fait 2 dans la même maille, c'est-à-dire une augmentation. Alors, quatrième fait 1, 2. Alors, 3 demi-brides, 2 dans la quatrième. 3 demi-brides individuelles. 2 dans la quatrième, c'est-à-dire l'augmentation. Et vous voyez que ça commence à tourner. Et vous continuez la ligne jusqu'au bout. Voici terminé. On fait ensuite 2 mailles en l'air, comme toujours. On tourne son travail. Et ici, on va faire une demi-bride dans chaque maille. Alors ici, les 2 mailles en l'air comptent pour une maille. On va à côté, la maille suivante, on fait une demi-bride. Ainsi de suite, dans chaque maille, une demi-bride. Vous faites ça jusqu'au bout. Une demi-bride. À tout de suite. La ligne est terminée. Donc on fait, comme ça va être le point pouf, ici on fait 3 mailles en l'air au lieu de 2. On tourne le travail. On fait à jeter
On va dans la première ici, il y a les trois mailles en l'air. Ça compte pour un point. Là, on va faire le deuxième. Ajouter, on pique dans la même maille. Et on tire tout. C'est comme la rangée ici où il y a le point pouf. Ajouter, on passe une maille, on va dans la deuxième. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air. C'est exactement le même que le 3. Donc ajouter, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on pique, ajouter, on repique dans la même maille, ajouter, on repique, ajouter, on tire tout. Et on fait deux mailles en l'air. Vous continuez jusqu'au bout. Alors là, on passe une maille, on va dans la deuxième, une, ajouter, deux et trois. Ajouter, on tire tout et on fait deux mailles en l'air. Continuez jusqu'au bout. À tout de suite. On arrive au bout de la ligne. On fait une, deux mailles en l'air. On tourne son travail. Et maintenant, là, ça compte pour une maille. On va dans le trou, on fait une demi-bride. On va sur la lala, on fait une demi-bride. Ajouter, on va dans le trou, une demi-bride sur la lala, une demi-bride dans le trou. Donc vous faites ça jusqu'au bout. Une demi-bride, vous voyez, il y a la maille au-dessus de la lala, là. On va au-dessus. Et une demi-bride dans le trou. Une demi-bride sur la lala, une dans le trou. Vous continuez jusqu'au bout. À tout de suite. On arrive à la fin. Une, deux mailles en l'air. On tourne son travail. Et on va faire. Déjà ici, c'est les deux mailles en l'air, c'est le demi-bride. Je le répète à chaque fois. On fait le demi-bride dans la maille suivante. Ça fait deux. Dans la maille suivante, ça fait trois. Et cette fois-ci, on a fait quatre. Alors, ça fait quatre demi-brides. Et deux mailles dans la cinquième. Une demi-bride, deux demi-brides ensemble dans la cinquième. On recommence. Une demi-bride, deux, trois, quatre. Et dans la cinquième, on en fait deux dans la même maille. Voilà, vous continuez comme ça jusqu'au bout. Une, deux, trois, quatre demi-brides. Et dans la cinquième, on fait deux dans la même maille. C'est-à-dire une augmentation. Vous faites ça jusqu'au bout. On se retrouve. La ligne est terminée. Donc, deux mailles en l'air. On tourne son travail. Et on va y faire une demi-bride. Dans chaque maille. Dans chaque maille, vous faites une demi-bride et ça jusqu'au bout. Et on se revoit après pour le point d'Alala. A tout de suite. Voici la rangée terminée. Donc maintenant, vous vous doutez qu'on doit faire un point d'Alala. Vous voyez, il y a un espace. Donc, comme c'est la rangée d'Alala, on fait une, deux, trois. Voyons lire. On tourne son travail. Dans la même maille, on refait une, deux, car là on a déjà deux mailles en l'air. On saute une maille, dans la maille suivante, on fait un jeté, on recommence à faire un nanana. Une, deux et trois. Je répète que là, on n'en fait que deux, car les trois mailles en l'air servent pour un. Donc, on passe une maille dans la maille suivante, on fait un point d'anana. Deux, trois.
3 et 2 mailles en lire. On passe une maille à nanana et vous faites ça jusqu'au bout. On se rejoint après pour... Ben, je vous montre comment séparer. Voici le point d'anana terminé. Maintenant, on va garder cet arrond. C'est l'empiècement. Donc maintenant, on va couper. On va séparer en deux. Vous faites bien ça ici. Comme ceci. On met un petit fil de couleur. Bien à la moitié. On va faire un petit nœud directement, des fois que ça s'enlirait. Vous voyez? Maintenant, pour les manches, on le remet. On arrête au petit fil. On arrête au petit fil. Voilà. Et maintenant, pour les manches, vous allez faire comme ceci. Vous tenez ici. Et vous comptez. Il faut... Je vais mettre un petit nœud ici pour voir si c'est bien. J'avais préparé, voici. Si c'est bien. De l'autre côté, pareil. On va compter les ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va voir de l'autre côté. Bien surtout centré. On fait ceci et on va ici. On met un petit fil. Bon, ici au milieu, il n'y en a plus besoin. Bien, je vais mettre le crochet et on va compter ensemble. Il y avait 15 ananas ici, il en faut 15 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ici on pique au 15e. Voilà. Et de là, on va reprendre la laine. On va piquer. On va prendre la laine. On va passer dans la maille ici. Il faut qu'il y ait 15 ananas, je répète, ici. Donc, 15 de l'autre côté. Oh, j'ai mal pris. Toujours. Ah ben. Voilà. On va faire un petit nœud. Qu'on rentrera après. Donc ici, on pique, on fait une maille en l'air, et côté dos, voyez ici, côté, on ouvre comme ça, et on va faire côté dos ici, en demi-bride. Donc ici, on a fermé la manche en faisant un nœud avec une maille en l'air. Donc on continue avec des demi-brides, vous voyez, dans le trou. Sur la lana. Dans le trou. Sur la lana. Vous continuez comme ça jusqu'au nœud de la manche. On se rejoint ici au nœud. Nous voici arrivés au petit nœud. Donc, on continue jusqu'au petit nœud. Nous y voici. On arrête. On plante le crochet en face où qu'il y a le nœud. On enlève le nœud. Et on ferme. Faire une maille coulée. Voilà, la deuxième manche. Et on compte bien s'il y a 15 ananas. 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, ici, on tourne
La manche, elle est cousue. On va ici continuer en demi-bride le morceau ici. Vous allez dans chaque maille. J'ai une demi-bride. J'ai une maille serrée, je me suis trompée. Dans chaque maille ici, faites une demi-bride dans le trou et sur la lala, dans le trou, sur la lala, dans le trou, vous voyez, jusqu'ici. On se rejoint après. Voilà, Aïel, voici terminé la rangée de demi-brides et vous voyez les manches, ils sont rattachés. Donc maintenant, je vais vous montrer, je vais vous dire les centimètres. Ici, il y a une rangée de demi-brides qu'on vient de faire. Vous en faites deux de plus, comme ceci ici, mais sans augmentation bien sûr. Alors, il faudra, ici on a fait une rangée de demi-brides, il y en faut encore deux. Après, c'est le point dans la lobe, exactement comme ici, l'empiècement. Donc, je vous montre mon morceau. Ça vous fera comme ça. On a arrêté ici. Vous faites trois rangées de demi-brides, un point dans la lobe, trois rangées de demi-brides, un point de, trois demi-brides, un point dans la lobe. Et je vais vous dire, ici, on est, je vous l'ai dit, au demi-bride, il faudra faire 12 cm ou 12,5, ça dépend comment vous tricotez. Il faut arrêter à un lalala. Après celui-là dans lalala, on est ici, il y a trois rangées de demi-brides, un lalala, trois, un lalala, trois, un lalala. On arrête à lalala et on se rejoint après. Je vous montre comment on fait les petites jambes. À tout à l'heure. Voici fili la la la. Moi, j'ai pas fait un grand bout parce que le tuto durerait trop longtemps. Regardez, vous êtes ici. On enlève ça. Voilà, vous avez fait le morceau autant de centimètres que je vous ai dit. Je crois que c'est 12. Oui, 12. Donc, à 12 centimètres ici, les deux morceaux, bon, ça, on s'en va rentrer. Votre crochet est à droite. Vous avez filé la rangée dans la lobe ici. Vous piquez le crochet en face pour fermer le tricot. Les morceaux. Voici. Vous voyez, une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et je vais vous expliquer. Vous prenez, vous comptez tous les mailles ici, tout autour, les ananas, et on va partager pour faire les petites jambes comme ça. Vous voyez? Donc, moi j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ananas. Donc, avant de fermer, on compte. Qu'est-ce que c'est là? Ça c'est des faits. Et le maille coulé en face, dans la maille, ici. Voilà. Donc 17 ananas. La boule, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh. On verra ça après. 17. Donc, vous laissez ça là, et on va compter. À partir d'ici, où qu'on a la boule, qu'on a fait la maille coulée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, faites ça, vous mettez à la maille coulée qu'on a faite. Voilà, on va compter, on vous liez. On va mettre le crochet pour repère. Voilà. Maintenant, il faut qu'il y ait 17 ici, à l'autre jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17. C'est bon. Donc, je
regarde bien, le crochet, on met ici. Donc il y a 17 d'un côté, 17 de l'autre. Regardez bien, parce qu'avec le crochet, ici, voilà. Donc maintenant, on va fermer. Je tiens avec le doigt. On va dans la maille en face. Et quand on est sûr, quand on a nos alalots de chaque côté, pareil, on ferme. On passe ici et ici. Voilà, vous voyez, c'est séparé. Si vous avez bien fait comme moi, il doit y avoir 17 de chaque côté. Et maintenant, vous allez continuer. Un rond à la fois, une jambe à la fois, trois rangées de demi-brides, un point à la longue, sans diminution, sans augmentation. Vous voyez, je vais vous montrer le morceau, le modèle ici. Quand vous allez finir une jambe, ce sera comme ça. Ici, on est là. On fait trois rangées de demi-brides, un point d'alalot, trois rangées de demi-brides, une rangée d'alalot. Donc, je vais vous dire les mesures. Si vous voulez en plus long, vous faites, vous continuez. Moi, j'ai fait 7, exactement 7 cm, à partir où on a lié ici. 7 cm. Donc, vous faites une jambe. Et moi, je vais faire ici la deuxième maintenant. Pareil qu'ici à gauche. À tout à l'heure. Voici les deux jambes terminées. Vous voyez? On peut refaire un tour de demi-bride ici à la fin, mais j'ai peur que ça serre de trop. Je laisse comme ça. Les manches pareilles. Maintenant, on va faire le cou. Donc, comme celui-ci est fait, regardez. On va passer. Je vais vous montrer. On reprend ici à l'ouverture. J'ai lié. Oh. On va faire. J'ai lié ce qu'il fallait pas. Donc, tout en haut là, ici, au cou. On va faire un petit nœud. Donc l'arrondi, on pique, on fait le maille en l'air. Voilà. Et on va travailler tout le tour du cou en faisant des demi-brides. Trois rangs, donc le premier rang, une, ça compte pour une, la maille en l'air, dans chaque maille, une demi-bride, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9. Et la dixième, on saute une maille, on va dans la maille suivante. Et vous faites ça tout le long. 10, 9 demi-brides et la dixième, on la passe. Vous allez jusqu'au bout. Vous marquez sur un papier, la deuxième rangée se fera 15 mailles. On sautera une maille et on continuera 15 mailles, on saute une maille, 15 mailles. Et la troisième ligne se fait tout en demi-bride, sans diminution. On se rejoint tout à l'heure. Voici les trois rangées du cou terminées. Vous voyez, ça fait une forme que j'ai resserrée. Donc maintenant, on retourne. On va terminer par l'ouverture. Moi, j'en ai fait une petite pour dire que le tuto va plus vite. Donc à l'ouverture, je reprends à l'aile.
Hop, l'ouverture, plutôt dans le dos, vous pouvez le mettre devant, mais moi je dis plutôt dans le dos, ça fait plus beau comme ça sur le devant. Enfin, ça dépend les goûts. Donc, l'ouverture, vous faites, après le coup, vous faites une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Dans chaque maille, tout autour de l'ouverture. Ici, elle est petite, mais vous, vous l'avez jusque là. C'est pour dire que le tuto, il dure moins longtemps. Donc, vous faites tout autour ici, l'ouverture, une maille serrée. Et on se revoit après pour... Voici la tour de maille serrée terminée. Vous, évidemment, c'est jusqu'ici. Mais je n'ai pas pensé de vous dire, vous pouvez aussi arrêter ici. Mais bon, donc maintenant, le tour de maille serrée terminée. On va faire une rangée. On fait deux mailles en l'air. Et on va faire tout simplement une rangée de brides. Ce sera les boutonnières pour les boutons. On fait une rangée de brides jusqu'ici, le bout. De l'autre côté, c'est pas la peine. Donc, une rangée de brides, on se rejoint ici. Voici terminé la rangée de brides. Arrivé au bout, vous voyez, vous placez bien le tricot, la parenthèse. Vous piquez ici avec l'aiguille pour fermer. Faites plusieurs tours. Vous serrez. Vous coupez un ras. Et là, je vais vous montrer les boutons. Vous en mettez à là, à ici. Vous, évidemment, ça continue, vous mettez jusqu'ici. Donc, je crois que j'ai tout dit. Ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous plaira et que j'aurai des pouces bleus. Partagez également et abonnez-vous. Merci et je vous dis à bientôt.